utilise ma personne, s'il te plaît, et parle à chacun d'entre nous et fais-nous du bien pour la seule gloire de ton nom. Nous comptons sur toi, nous faisons taire la chair, nous faisons taire tout ce qui est, n'est-ce pas, satanique et démoniaque, la puissance de la sorcellerie, et nous primions maintenant la présence de l'Esprit, parce que la Bible déclare que là où il y a la présence, là où il y a le Saint-Esprit, là est la liberté. Et tu dis dans ta parole, là où deux ou trois sont sans entendant, tu te tiens parmi eux. Ils ne sont pas venus vénérer une personne, nous sommes venus t'adorer parce que nous sommes des adorateurs. Nous reconnaissons en toi le véritable Dieu. Bénis cette rencontre, merci. Et nous la plaçons sous la haute surveillance de la puissance de Dieu. Et nous proclamons ta seigneurie et nous imposons cette seigneurie afin que les démons fléchissent les genoux, la sorcellerie capture et reconnaît en toi un Dieu vivant et puissant. Merci, toi qui as toujours honoré tes promesses. Au nom de Jésus que je prie, amen. Yeah.
acclamer le Seigneur. Levé par la prière en dissocié. Je me rappelle que les gens des prêches, ils m'ont dit, ah, brigade, sorcier, il y a brigade pour ça. J'ai dit, oui, il y a brigade. S'il n'y a pas brigade pour ça, ils vont continuer de manger les gens. Il y a brigade pour ça. C'est même brigade, c'est même délinquance, c'est même vilaine chose qu'ils font. C'est la même chose. Mais il faut prouver dans le spirituel. Il y a trop d'anarcheurs, il y a cybercriminalité, il y a une police pour ça. Là où il y a un fléau, l'État doit penser, n'est-ce pas, à régler ce problème. Le fléau qui mit l'Afrique, c'est la sorcellerie. Amen. Celui qui ne croit pas au monde spirituel, c'est qu'il lui-même n'existe pas. Parce que c'est le spirituel qui fait le physique. Ce n'est pas parce que les Africains sont superstitieux. Non. Les premiers à combattre la sorcellerie furent les Blancs. Le combat contre la sorcellerie fut les Blancs. La chasse aux sorcières. L'histoire est là. Pourquoi vous voulez nous berner, nous distraire? L'histoire est là. Du 15, 16, le 17e siècle. Vous allez dans tous les États, dans tous les pays européens, vous allez trouver une plateforme où on brûlait les sorciers. Et ils brûlaient les sorciers. Et ça porte aujourd'hui, il y a eu le 18e siècle, le siècle de lumière et de la révolution du spirit. Pourquoi vous ne voulez pas que nous nous combattons nos sorciers? Pourquoi? Vous avez quel problème? Vous pensez que nous, on n'est pas intelligents comme vous? Mais oui. Celui qui a découvert transition sanguine aux États-Unis fut un noir américain. Lui, il est mort d'anémie. Moi, je fais mes recherches. Hein. Mon livre sort très bientôt. Amen. Amen. Dans le mois de novembre, mon livre sort. Comment vous aider? Je vais comprendre beaucoup de choses. Deux jours, j'ai écrit beaucoup, la nuit est encore. J'écris seulement. C'est le temps où il y a le plus de temps pour écrire. Amen. Amen. Transition sanguine. Pour dire non, lui il est quoi? OB, OB plus, ouais quoi? Amen. Bon, j'ai ce genre. Celui qui touche, c'est fut un noir américain. Lui-même, il est mort pour un naissant. On n'a pas vu un naissant dans son corps. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Bon, on dit non, lui là, il entend de révolter les noirs. Non, ce n'est pas une question de révolter. L'an 2018, c'est une année où Dieu va élever les Africains. Amen. Moi, je ne suis pas dans la politique. Moi, je ne veux pas faire les politiques, ça ne m'intéresse pas. C'est des menteurs, les politiciens. Moi, je suis dans le spirituel. Tout part de l'Afrique. Vous savez très bien pourquoi l'Afrique est en retard à cause de la sorcellerie. Voilà. Moi, les politiciens, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Ils veulent te dire quelque chose, demain, ils mentent. Mais ça n'est pas dit qu'il faut reconnaître. Faut pas reconnaître les gens. Moi, je respecte les autorités. Je l'ai toujours fait. J'ai toujours demandé aux gens de venir investir en Afrique parce que je respecte un peu. Je respecte les autorités. Mais le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. J'indique ça. C'est-à-dire, voici un problème que vous ignorez. Quel Africain qui est né en Afrique, dans un village africain, qui ne connaît pas la sorcellerie? Qui? C'est ce qu'on appelle la réalité africaine. Nos parents, ils avaient les interdits, il ne faut pas te laver, il ne faut pas sortir la nuit. Oh, la petite fille est quelque part là-bas, tu sais que c'est la nuit pour vous attraper. Ils m'ont dit, il ne faut pas sortir la nuit. Mais les génies vont vous attraper. Donc, son marigot, c'est des petites choses comme ça, je vais faire ressortir de mon lit. Son marigot, on a attrapé notre maman. Notre maman, elle n'était pas chrétienne, mais elle était fidèle à nos parents. Oui. Maintenant, à cause de Facebook, mais il y a tous les problèmes. Que Dieu nous aide. Amen. Et puis l'Afrique a des vertus. Pourquoi vous voyez l'Afrique comme quelque chose, une poubelle? L'Afrique n'est pas une poubelle. C'est que les gens font de là-bas là. Pour nous aussi, c'est un scandale. Vous n'allez jamais voir dans un pays africain où un muscle, un garçon puis venir embrasser son camarade garçon. Dans un village. J'ai vu Dibé et Zadi s'embrasser. Ils vont vous mettre au pas. On dit que vous êtes malade. Si vous deux garçons vous embrassez, Simon a fait quoi? Suzanne a fait comment? Il n'y a pas. Il y a son nombre, on n'en parle pas. Si vous deux vous embrassez, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Donc,
C'est un peu ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous m'avez bien compris? Amen. Donc, il y a ce qu'on appelle les réalités africaines. Quand je regarde un peu, franchement, le peuple africain est trop prêt pour chercher Dieu. Voilà. Moi, je ne suis pas dans un problème, non, il faut brûler ses phares, il faut insulter tel président. Mon seul problème, mon langage, c'est la sorcellerie. Parce qu'au-delà de ça, il y a des gens qui peuvent vous enfermer dans une bouteille, il y a des gens qui vont vous mettre dans l'anus. On a vu une église qu'ils ont mis tout le monde dans l'anus. Parce que là-bas, il nage. Le diacre est là, il ne peut pas parler à lui. L'ancien est là même, il a des problèmes. Amen. Amen. Celui qui dit la sorcellerie n'existe pas, il n'a qu'à venir parler à moi. Moi, j'aime bien les débats. Quand j'ai sorti le livre, et c'est très bientôt dans le mois de novembre, on posera. Il y aura un débat. Je vais discuter. Madame, je sais que vous êtes là, donc asseyez-vous, on va s'occuper de votre maman. Le jour où les gens auront un débat sur la sorcellerie, ils vont m'écouter. Je vais parler avec eux. J'ai dit comment vous comprenez ça. Parce que sorcellerie, ce n'est pas en bété ni en doula. C'est dans votre langue française. Vous avez nommé quelque chose et puis vous dites que ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est nommé, ça veut dire tout ce qu'on donne un nom, ça existe. C'est pas que ça existe qu'on donne un nom. Attends, il ne faut pas que vous allez distraire les gens. N'hébernez pas les gens. Et ici, chez nous en Afrique, en vain, on prenait la sorcellerie comme un pouvoir, comme une richesse. Le parent peut aller vendre tous ses enfants pour avoir le pouvoir de il se dit soi-disant protection. C'est une erreur et c'est des ruses. Le diable, c'est un menteur. Les anglophones disent Satan is liar. C'est un menteur. Il vous fait croire que si vous donnez tel enfant, il va vous protéger. Or, initié à la sorcellerie, ça veut dire tu vas vendre tous tes enfants. On a vu le témoignage de M. Roger. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Voir les mamans, s'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Amen. Voilà, excusez-moi, merci beaucoup. Que Dieu bénisse. J'ai vu Roger dire non, ma femme m'a trompé. Elle m'a dit qu'elle n'a qu'à manger un saumon. Après ça, je donne saumon et qu'elle a donné 9. Je lui ai dit, le jour où tu as mangé un saumon orteil, tu vas manger tous les enfants. C'est une ruse du diable. Donc, par moments, les gens usent de ruse pour avoir certaines personnes. C'est pour ça que chez nous, chez vous les blancs, vous brûlez les gens. Vous avez brûlé les gens. L'histoire est là. J'ai fait ressortir ça dans mon livre. J'ai brûlé les gens. Moi, je les délivre. De vous à moi, qui a fait crime contre l'humanité? Qui fait ça? D'autres me disent, ah, le prophète, mais il est trop doué, les gens. Mais le monsieur, le sorcier, je ne suis pas trop exagéré, il est même victime. Le fait de dire, on m'a initié, moi, ça me déséquilibre, ça me désarme. Moi, j'étais fâché. Si vous écoutez très bien ce que j'ai dit. Donc, face à ça, l'Église doit manifester l'amour. Parce que l'Église, Christ est symbole de l'amour. On ne peut pas être croyant. Croire en Christ et puis ne pas manifester l'amour, ce n'est pas possible. Le monsieur se retrouve dans une histoire où, frère, si on n'est pas été sorcier, on ne nous a pas mis dans la sorcellerie, c'est à cause de Dieu. Hein? Amen. Amen. Moi-même, je remercie Dieu pour ça. Hein? Sinon, chacun allait peut-être manger cuisse de quelqu'un. Une petite sauce de criti, ou bien voilà là, au Togo, on appelle ça demain. Il y a un monsieur qui a mangé ça, il a eu tous les problèmes de vente. On allait au Togo, lui, ça demain, il veut manger un placard. Je l'ai regardé. Moi, il m'a imprésé. Quand il a fini de manger ça, c'est qu'il a eu le même plus grand témoignage. Il me regarde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc chacun. Veux manger, c'est la grâce de Dieu. C'est ça que la Bible dit. David dit, je me couche, je m'endors en paix, car toi, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je suis rentré dans un village guéri, à Giglo, guéri. Ils sont venus m'écouter. Ils disent, prophète, ce que tu dis là, c'est trop bien, c'est vrai. Mais nous tous ici, on est sorciers. On est sorciers. On est aussi. Ce que tu dis là, on ne peut pas laisser. Ben, ce que tu as dit là, ils sont en train d'enregistrer ça là-bas dans leur, je ne sais pas quoi, dans l'île de quoi, ils enregistrent. La nuit, ils vont nous appeler pour dire, mais le monsieur, vous êtes allé l'écouter.
Et lui, on a giflé, giflé, giflé. Donc, on est rentré dans la sorcellerie parce que, après, il a fait cette histoire de non, il y a eu des trucs qu'on a vu, mais on a revenu au village. Mais on est tous sorciers. J'ai dit, mais le diable, c'est un menteur. Votre sorcellerie, là, ça vous a protégé comment? Vous avez plus de massacres en Côte d'Ivoire, c'est à l'ouest. Vos massacres étaient où? Ou même là, il y a des choses que vous devez couper aujourd'hui. Vous m'avez dit, non, il est Dieu. Dieu est où? Il a fui, il a bourri dans le champ de cacao. Moi, c'est pourri, toi, dans la brousse. Ça veut dire, toi-même, tu dois comprendre qu'il n'a rien. Le grand mal du village, il bourri, puis il cache-toi. Il faut abaisser ta tête. Il ne faut pas, balle va te toucher. Mais si tu es quitté là, il faut venir dans l'église, tu as quel problème? Donc je lui ai dit, mais attends, c'est vrai que vous avez peur de venir en Christ, parce que vous avez grandi dans cette culture satanique, démoniaque. Il y a des cultures qui ne sont pas bien pour la vie. Maintenant, pour nous, ce n'est même plus utile pour nous. Parce qu'on a besoin d'être développé. Nous ne sommes pas des singes où on doit rester quelque part dans un village où entre nous, on doit se parler. Aujourd'hui, on a besoin d'échanges. C'est des échanges qu'on appelle le développement. Ça en va. Ça, c'était que nos parents, ils fermaient le village sorcellerie. Tout ça. Il y a des gens qui ferment le village sorcellerie, blanc ne pénètre pas. Aujourd'hui, on a besoin de sorties pour être développé. Ça vous apporte. Donc, vous devez comprendre que la sorcellerie, ça n'a jamais été utile à l'Afrique. Ni le fétichisme. Nos fétiches, ça fait quoi? Non, ce que tu dis, tu parles des dieux des blancs. Attends. Un dieu qui ne parle pas, par rapport à un dieu qui parle, vous allez, j'en ai dit. Un Dieu qui parle. Ah, je ne suis pas bête. Seigneur Jésus, il faut agir. Puis il agit, il y a un miracle. Zabando, il faut agir. Il est là. Tu fais scratch. Tu fais couler sur lui. Il ne parle pas. Tu vas aller choisir qui? Vous êtes malade. Bien. On est à partir de la naissance de Jésus. J'ai commencé à compter un jour, deux jours, trois. Jusqu'à sa partie de la naissance de Jésus. Ce monsieur-là, il est dans l'histoire. Ton Zagoto n'a jamais dans l'histoire. Si c'est pour tuer, envoûté, Zagoto, il peut te donner le médicament pour aller tuer quelqu'un. Mais il ne t'a jamais fait avancer. Et puis, on est toujours en train de chercher n'importe quoi pour tisser une alliance satanique avec les esprits. Écoutez bien mon message. J'ai toujours dit aux gens, vous qui parlez, Didi ou prophète Crasso, il est féticheur. Je vous ai bien dit, ça fait un mois que je suis là. Je vous ai bien dit, venez, appelez mon secrétariat. Si vous n'avez pas, si vous voulez le visa, moi je peux vous faire une demande. Je peux, n'est-ce pas, vous envoyer un certificat d'hébergement. J'ai même dit ça à Kazarema, j'ai même dit ça à tous ceux qui m'insultent, voilà, sur le Facebook. J'ai dit, venez, pendant que je suis là, vous venez dans ma base pour dire qu'on l'a rencontré. Et puis voici ce que la conclusion qu'on a tirée de nos enquêtes. Vous ne pouvez pas rester aux États-Unis, vous ne pouvez pas rester en France et je vais insulter quelqu'un qui n'est pas Abidjan, qui a Divo. Donc, c'est maintenant une occasion pour vous de venir. Ça fait un mois. Depuis le 29 c'est juillet que je suis là. Depuis le 29 juillet que je suis là, en Côte d'Ivoire, nous sommes aujourd'hui le 2. Chaque fois, je parle, je demande aux gens de venir parce que moi, je m'en fous de ce que tu dis sur moi. Moi, je te pardonne. Tu peux ne pas peut-être connaître des choses, ou bien la jalousie peut faire que tu peux insulter le prophète Crasso. Moi, je prie même d'ailleurs pour vous. Je prie pour que Dieu se révèle à vous. Je ne suis pas contre vous. Je n'ai pas d'ennemi. Mon ennemi, c'est le diable. Maintenant, je demande à ces personnes de venir vérifier. On a vu, on allait dans le camp du prophète Crasso. Voici une enquête qu'on a menée contre lui. Et puis, on a discuté avec lui. On a échangé avec. On a vu, parce que je vous emmenais, je vous dis, vous êtes tout niveau, allez-y. Vous êtes libre de poser la question à qui vous voulez. Voici tel endroit, où je suis parti. Allez-y. Mais il ne faut pas vous aller vous arrêter. Parce que les gens, ils veulent éteindre le ministère des gens qui attaquent le diable. Je sais. Quels sont les fonds de la franc-maçonnerie qui vient vers vous? Vous êtes aux États-Unis, vous dites que vous combattez quoi? Le vrai ministère, c'est ce qui s'existe encore en Afrique. Quelqu'un qui dit de l'appeler là, c'est en Afrique, va commencer son travail. On sait comment le travail de Dieu se fait en Europe. Donc, si vous voulez venir en Afrique, moi je ne suis jamais allé m'asseoir à Abidjan, ça ne m'a jamais intéressé. Je suis à Divo. Divo était la plateforme,
le côté d'Isaac, puis à la sorcellerie. Quel sorcier qui ne m'a pas convoité pour me manger? D'ailleurs, il a commencé à faire réunion, il a maigri un peu. Avant, il courtisait seulement, il m'a été décrit tous les soirs. Un placalier sans grève. C'est toujours aussi, c'est pas bon. C'est pas possible. Il ne savait pas où. Après, on dit non, il y a trop de calories, il y a trop de cholestérol, il faut laisser un peu de graines. Tu étais dedans. Quand il laissait sainte maman, c'est ça qu'il m'a donné pour manger. Après, j'ai su qu'il y avait un danger. Donc, je suis gros, les gens veulent me manger. Chacun veut me manger, sauce graine, mais ça ne marche pas. Parce que ce qui est en moi est plus puissant. Vous, quand vous parlez des gens, vous les critiquez. Vous indécez quel homme de Dieu qui est bon? Lui, il est mauvais. Lui, il est mauvais. Lui, il est mauvais. Lui, il est... Qui est bon au juste? Qui est bon? Je peux comprendre qu'on commet une erreur. On peut vous pousser à parler mal du prophète Crasso. C'est normal. Quelqu'un qui est mauvais ne va jamais construire l'orphelinat. Il n'y a jamais. Quelqu'un qui est mauvais ne va pas créer, n'est-ce pas, des champs pour aider la jeunesse des Aroko à rentrer, à faire le retour à la terre. Ils sont là-bas, ils ne travaillent pas. Moi, je les ai amenés à faire champs de Jemjem. Je les ai amenés à faire ça. Le signe pour reconnaître que quelqu'un a Dieu, c'est l'amour. Si vous ne croyez pas, moi, je crois que j'ai reçu Jésus-Christ. Donc, j'ai demandé aux gens de venir. Nous sommes déjà en septembre. Venez, parce que bientôt, je m'en vais. Je pars pour ma tournée européenne. Parce que vous les coincez en Europe. Vous les coincez aux États-Unis. Les faire croire que l'Afrique, c'est le bordel. Or, sur cette Afrique-là, tout le monde cherche à posséder ça. Tout le monde veut chercher. Tout le monde. Le rêve d'un blanc, c'est d'avoir un coin en Afrique. Ah, vous ne savez pas ça? Le rêve. J'ai rencontré un Chinois même en New York. Tu es africain? J'ai dit, mais je suis africain, pourquoi tu me poses la question? Vous les Chinois là, que Dieu vous aide. Souvent vous nous regardez, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans vos têtes. Vous allez nous confondre avec certaines choses. Bon, bref. J'ai dit, je suis africain. J'ai dit, je suis où? J'ai expliqué. Il tremble. Il veut parler. Il dit, non. Il y a des gens qui ne cherchent pas à avoir camaraderie avec eux. Parce que le jour où je suis dans un couloir, je ne sais pas ce que tu as fait. Amen. Donc, pardon. Donc, c'est lui maintenant qui m'explique, qui me parle. Et leur inspiration, c'est d'avoir la terre africaine. Nous avons des terres. On n'a pas exploité. C'est le combat que je mène. Pourquoi vous voulez que les gens restent en Europe? Il y a quoi en Europe? Il faut faire le retour à la terre. Lorsque j'ai compris que la terre produit beaucoup de choses, j'ai dit merci. Et j'ai béni la mémoire de Félix Boigny, père à son âme. Qui dit le succès du pays repose sur l'agriculture. Moi, j'ai banalisé ça, je ne savais pas. Quand j'ai su qu'aubergine peut donner l'argent, million à quelqu'un en 6 mois, je ne savais pas. J'ai dit, mais aubergine, Goyot. Goyot peut faire quoi à quelqu'un? On dit, il y a un million d'états. Et puis, je m'en calcule. Il y a des gens, des experts qui sont là, qui me calculent. On dit, il y a, mais il faut quoi? Même comme un concombre dans la salade, c'est la première chose que j'ai d'abord. Je ne suis pas habitué à ça. Moi, c'est ma sauce. Graines, la djoumbe dedans. Ça, je peux manger simple, la calissa. Je peux même laver la main. Manger même seul, si tu veux, pour dire, mais j'ai fait quoi? Concombre, salade. Tu donnes ça à un petit Africain de 2 ans dans un village. Ici, il y a les Kibou à Zaroko. Il va jeter ça. Salade. Donne-lui foutou, sans graines. Il mange, finit la sauce. Puis il tend encore l'assiette pour pouvoir manger. Je fous quoi? Mais qu'on m'explique comment l'effet thérapeutique. Non, je ne cherche pas thérapeutique. Non, je ne cherche pas tout ça. Ça va rentrer dans ton ventre. Ça va te donner. On ne connaît pas ça. Ça va te donner tant dans ton corps. Nous vendons des remplis. Fou. Tu dors. Fou. C'est tout. Non, si tu as mangé salade, ça va te faire des fers. Si tu as mangé concombre, ça va te faire. Vous m'excusez. Foutou, nous on appelle ça bon. Tu finis de manger, tu ronfles. C'est tout. C'est ainsi qu'on va te réveiller pour dire, mais tu ne vois pas le soleil.
C'est ainsi que j'ai vu que les gens m'ont foutu à 1h du matin. Moi, j'ai eu le problème avec ça. On a vécu ça. C'est pour ça que mes petits-là, ils ne les laissent pas. Parce qu'on est quitté très loin. On finit le courageage dans minuit. Beaucoup d'entre eux m'ont foutu. Vous allez digérer ça comment? On est venu très loin, sur ça que depuis un mois, on est ensemble. C'est bon, c'est pas bon, on a ça. C'est là que tu as dit non, les soirs, on mange crudité, on mange concombre, un peu de tomate la suie, et nous la pardonner. Quelqu'un qui va manger petit salade, il va dormir. Il peut dormir. Zadi va manger salade au village à 18h. Il va dormir. 20h, 21h, il est levé. Mamie va aller manger son sang. Ça soit créé. Il est malade ou bien. Moi, c'est vous voulez mettre la maïna dans la salade. Mais l'habitude, ça, le vieux habitué ça. Il y a des enfants de 6 mois qui mangent riz. Vous n'avez même ça. Tu m'as été choqué. Mais si la maman va le faire, elle va laisser mes riz. J'ai vu les enfants même de. On t'a. Oh, tu t'es trop. La maman, elle est pressée. C'est la pauvreté chez nous. Ça, là, c'est un luxe. Chez nous, tu as fait riz grâce à fête. Tu as fait riz grâce. C'est fête. Amen. Amen. C'est là que tu as dit à quelqu'un, non, qui a grandi dans son grain la nuit. Non, mais c'est là qu'il faut dire, n'a qu'à manger concombre, tomate, salade, carotte, lui il peut dormir. C'est le cauchemar va faire. Son ventre va faire brrr, 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 brrr. Ça va être palable dans le ventre. Son estomac s'est rempli. C'est après on a appris que c'est bon, c'est léger, mais il faut t'habituer à ça. Sinon tu bouts ton ventre, puis tu vas dormir. Quand tu te réveilles, parce que ce qui t'attend le matin, là, c'est ce qu'on appelle travail au champ. Tu as mangé feuille pour venir faire quoi? Pour lancer ma chaîne. Tu ne vas pas tomber dans la bouche. Mais qui tu vas voir? Amen. C'est après on a appris tout ça. Mais en même temps, il faut comprendre que c'est des choses qui sont bien. Il faut toujours apprendre. Comme là, il y a l'argent dedans. En 3 mois, ça peut te faire 9 millions. 1 hectare. Donc j'ai dit, mais donne-nous quand on voyait dans le bas-fond, et puis on prenait qu'on appelle arrosoir. Donc c'est l'argent qu'il était en train de prendre là. Seulement, tu t'imagines que les bas-fonds, c'est les sources de richesse. Mais bien sûr, Dieu nous a tout donné. Il ne faut pas qu'on pense que Dieu a quitté l'Afrique. J'ai vu un film où on dit, Dieu a quitté l'Afrique. J'ai dit, mais toi, tu es un démoniaque. Pourquoi Dieu a quitté l'Afrique pour les blancs, vous êtes chez nous? Attendez, je ne vous révolte pas contre les blancs. Sans les blancs, on ne peut rien. Et puis, moi, je m'oppose à ceux qui disent aux blancs, non, les blancs, et ce que les blancs apportaient chez nous, c'est beaucoup, hein. On était dans les arts. Chacun regarde. Quand il regarde, Yao, il le voit en que chez nous. J'ai regardé un trou dans le miroir. Ils ont dit, tenez, miroir. Le gars s'est vu dedans. Il s'est oublié lui-même. La première fois, il regardait son visage. Aujourd'hui, on a Internet. C'est à cause de Dieu. C'est à cause de Dieu. Donc, insulter les... C'est vrai qu'on peut parler de politique, on peut s'en enfin, mais il faut savoir parler, il faut savoir avoir un langage. Les gens, vous voyez là, ils peuvent nous tuer une minute. Ils nous connaissent bien. Qui a créé le portable? Le jour, on me prenait pour dire, non, ils m'ont fait sortir tous les coups de fil, CIA, FBI. Moi, je suis étonné. Je suis resté, j'ai commencé à avoir perdu. J'ai dit, si la guerre veut finir, les blancs, là, ils peuvent finir la guerre. Donc, il faut savoir parler aux gens. Ils nous ont apporté, ça code on s'est dit, A plus 1 plus 1, ça fait... Mo-a-ma, ça coûte. Mariam joue à la balle, ça coûte. Sinon, on parlait notre truc, non langage des singes. Entre nous, on avait peur.
C'était la guerre. Allez dans l'histoire de la colonisation, vous allez comprendre comment nous, on s'est bouffé entre nous, tel peuple. C'est vrai que. Et puis, ils ont apporté la civilisation. Mais c'est vrai que si nous sommes à une époque aujourd'hui où il y a certaines choses qu'on ne peut pas accepter, parce que quand tu commences à t'éclairer, ton esprit commence à être éclairé, il y a certaines choses que tu n'acceptes plus. Amen. Amen. Il faut aller doucement. Moi, j'ai besoin toujours des blancs. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, les noirs, qu'on ensemble, on se tue entre nous. Blanc, qu'il ne t'aime pas, il te dit. Quelqu'un qui marche à un blanc, quelqu'un qui marche à un noir, celui qui marche beaucoup à un noir, il ne va pas prospérer. C'est pas, je ne dis pas dire quelque chose qui est mauvais. Parce que la mentalité de noir, il n'aime pas voir son prochain prospérer. Or, blanc, quand il sait que tu es bon, il t'appelle, puis t'exploite. Mais exploitation déguisée. Hein? J'ai toujours dit aux gens, vos histoires de dire non au Canada, on va au Canada, ceux qui ont des têtes de bloc, il n'y a pas de chemin au Canada. Hein? Attends. Au Canada, il n'y a pas de chômeur là-bas. Il faut venir au Canada, on va vous donner du travail. Il n'y a pas de chômeur là-bas. Mais essaye de connaître ta valeur. Amen. Amen. Voilà que Dieu nous aide. Amen. Amen. Voilà, donc quand on fait la politique, on a qu'à quand même modérer. Voilà, quand ça va faire la politique. Moi, je ne suis pas un politicien, je suis un homme spirituel. Je touche le problème réel de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Entre nous, dans notre petit Côte d'Ivoire, on se tue entre nous, à cause des sorcelleries. L'autre n'aime pas l'autre, l'autre n'aime pas l'autre. C'est dans nos sens. Quand tu vois l'autre, même aujourd'hui, même à cause de Facebook, même les gens meurent vite. Mais les gens, même de façon, ils vont prendre des photos. Tu es arrivé à Paris, là, il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille. C'est la tour des fêtes qui montre aux gens. Ah, il est arrivé à Paris. Vous annoncez qu'il est arrivé à Paris. Ah, hein? Je à Paris. Mais c'est qu'on est mort ici. Alors, il arrive à Paris. Une réunion d'urgence. Tous les gars sont là, mais on appelle ce monde. Malheur pour toi de là-bas, Jésus, tu sors dans la marmite. C'est toi qui arrives à Paris. Tu es dans tel arrondissement, connais ton adresse. Ce soir, que Dieu nous. Voilà. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. La meilleure manière d'être protégé, c'est d'avoir Dieu. C'est la chose la plus sûre. Si vous n'avez pas Dieu, vous allez rentrer dans une marmite noire pour manger. J'ai demandé au monsieur Roger, il dit non, on m'a dit de manger. Je dis, comment tu peux manger? T'es pas aux enfants. Il dit non, là-bas on mange. Que Dieu nous aide. Amen. Je suis en train de vous annoncer quelque chose. Si nous servons Dieu d'une manière sincère, Dieu se révélera à nous et nous apportera, n'est-ce pas, la grâce et nous protégera contre les œuvres du diable. Qui est ton Dieu? Si tu as un Dieu faible, ils vont l'écraser. Quand tu mets Dieu dans, tu dis, mets ça au rein. Ah non, ça va. Ça va. C'est rien là, tu mets dedans. Tu mets un bague. Il y a des gens, tu vois leur doigt. Partout, c'est pas Dieu tourné dessus. Pourquoi tu es? Non, c'est un accident, anti-poison, anti-quoi? Pour avoir l'argent. C'est pas pour donner l'argent. Tu peux aller travailler. Il y a donc un portefeuille pour dire c'est magnétisé, l'argent est venu. Mais tu es un voleur. Tu es un voleur. Pour avoir l'argent, il faut travailler. Si l'argent qui t'a pour rentrer dans ton portefeuille, tu es un voleur. Tu es un acteur, tu es un voleur. La meilleure chose, c'est d'avoir Dieu. Et je vous parle de Dieu d'Israël. Je ne vous parle pas de Dieu comme ça. Le Dieu avec le grand D. Surtout quand quelqu'un me dit, m'écrit, me dit que Dieu te bénisse avec un petit D, je le réponds. Vous dites non. Mon Dieu, c'est un grand D. C'est le Dieu d'Israël. Je suis désolé. Je le reconnais comme le grand Dieu. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Quand Dieu est dans votre vie, ça se sent. Quand Dieu est en dehors d'une vie, ça se sent. Voilà. Mais Dieu n'a pas quitté l'Afrique. Dieu est sur l'Afrique. Où se trouve Bauxite? C'est en Afrique. L'uranium se trouve où? C'est en Afrique. Les gens qui parlent de l'immigration, hein, combattent l'immigration clandestine, ils doivent travailler à nous.
Nous, on leur montre leurs erreurs. Et puis, on va parler à la population africaine. Les gens fuient parce qu'ils n'arrivent plus à avoir une solution. D'autres même fuient à cause de la sorcellerie. D'autres ont fait des magasins, ils ont eu l'argent. 3 millions, 4 millions, c'était gâté à cause de la sorcellerie. J'ai parlé avec quelqu'un, mais d'Italie. J'ai dit, attendez, j'ai deux options. Les gens fuient pour se faire un bien-être. Il y a des gens fuient pour se cacher. Il m'a dit, il faut expliquer. J'ai expliqué. J'ai dit, chez nous, il y a la sorcellerie. Que vous croyez à ça ou pas, il y a la sorcellerie. Le monsieur, il a vendu son champ, pensant que prend cet argent-là, met ça dans un projet, ça va marcher. Parce qu'il a analysé le projet. Il essaie, ça capote, ça échoue. Il essaie, ça échoue. Et puis on veut lui dire que c'est sorcier qui a gâté. Mais on a vu. Donc les gens, ils fuient pour ça. Ils fuient pour aller se cacher. Pour eux, c'est un moyen de se protéger. Se cacher en Europe. Donc ils préfèrent. Parce qu'il y a pour moi, il y a des situations, toi-même, tu vois que tu es en enfer. Il y a des situations, toi-même, tu dis là, là, même, là, je suis déjà mort. Je préfère aller traverser l'eau. Ce n'est pas une solution. Toi-même, on te cherche, tu es dans la marmite. Des sorciers dedans dans la bouteille. Il va te voir dans la Méditerranée. Il ne va pas t'enfoncer dedans. Fiant. Amen. Donc j'ai expliqué. Notre problème, il est. C'est vrai, c'est un problème de développement, de moyens. Mais en même temps, il y a beaucoup d'os spirituels. Parce que la polygamie en Afrique crée beaucoup de choses. La jalousie, le combat de l'héritage. Qui doit être l'héritier de qui? C'est ici, ici en Afrique. Chez les gens pensent qu'aller en Europe, c'est qu'on a, on est devenu riche. C'est le seul problème de l'Afrique. Hein. C'est-à-dire, on est. Il est à Paris. On est foutu. Ton fils est arrivé à Paris. On est foutu. Venez nous demander. Venez nous demander. Il faut saluer quelqu'un qui est à Paris. Le petit signe de voix, ça va chaud, chaud, chaud dans ta main. Tu me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il y a dans ta peau? Il faut regarder. Jossi prend ses pieds. C'est ce qu'on appelle Jossi. D'abord, là, ce n'est pas un sentiment. Hein. Même ton prof frère peut te mettre dehors parce que tu ne travailles pas. Là-bas, c'est le travail. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est en France. Parce qu'ils se disent que la monnaie, ils calculent en CFA et en euro. Donc lui, il va réussir comme ça, mon ami. Et ça commence à faire problème de sorcellerie. Amen. On dit, nous avons des terres. Nous avons des terres, il faut les exploiter. Mais bien sûr, le seul problème qu'on a, nous avons ici en Afrique, c'est qu'on n'a pas Dieu. On n'a pas Dieu. Nous, en, à, au, au 10, 2017, nous adorons encore des génies. Génie, c'est pour maquiller ça. Sinon, c'est le diable, les démons. Comment toi tu peux aller adorer un démon? On dit c'est l'eau. Ton papa vient de l'eau. C'est pas une insulte. Toi-même tu es content. C'est à toi le pauvre cabri. Tu le dis, le pauvre cabri. Il te suit. Le pauvre cabri. Après, on te dit, il ne faut pas y aller derrière. Les gens nous ont maltraité. L'homme est noir, on aime les plus, il y a problème. Vous, on nous dit, il ne faut pas. C'est là où on croit ça. Il faut enlever ta chemise, il faut te mettre en culotte, ou mettre en slip, mettre en nu. Là, on dit, là, c'est bon. Le médicament est bon. Depuis quand le médicament peut te sauver? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment ton père dit qu'il vient de l'eau? Et tu crois à ça. Mais tu vas te voir toujours dans l'eau. La sirène des eaux va t'attaquer. Tu vas avoir un problème de mariage dans ta vie. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le jour où j'ai connu Jésus, c'était la meilleure révélation au monde. Je dis Seigneur, merci de t'avoir connu. J'étais dans l'ignorance. Je disais, cette semaine, j'expliquais ça à une sœur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'expliquais ça à une sœur.
Elle dit non, ce que tu fais, les gens ne croient pas. Il dit même Dieu, même il y a beaucoup qui ne croient pas en lui. Les bouddhistes sont plus nombreux que nous, les Chinois sont des bouddhistes. La plupart des Chinois sont des bouddhistes. La révélation de Dieu, c'est une grâce. Te révéler les mystères cachés, c'est une grâce. C'est ça que la Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres à qui fait des personnes de se glorifier. Ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. C'est ça que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de vieux. Si moi j'ai besoin qu'on me croie à moi, moi je prends Dieu, je suis qui? Je suis un messager. Ah, pourquoi tu as dit que tu es prophète? Prophète avait dit messager. Les gens ont peur de dire, il veut m'appeler par mon nom. Je suis prophète. Prophète veut dire messager. Cherchez à prenez les dictionnaires, cherchez à connaître la définition d'un prophète. Prophétiso veut dire parler de la part de Dieu. Moi j'ai un message très fort pour l'humanité. Dieu est plus fort que la sorcellerie. Amen. C'est tout. C'est ça que je prophète. Chaque prophète est venu l'envoyer un message. C'est ça que je suis prophète. Sinon, ce n'est pas pour dire non, il n'est pas le seul prophète, c'est un prophète veut dire messager. Moi, je sais Dieu, je suis homme de Dieu. Si tu ne crois pas à ça, moi, je suis homme de Dieu. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin que tu rentres, je rentre dans les polémiques. Non, comme ça, c'est, je crois, moi, à mon salut, je crois à mon appel. Point bas. Aïe, point bas. Je sais. La rencontre que j'ai eue avec Jésus, moi, je sais. Personnellement, la rencontre, je sais que je sais Dieu. D'une manière sincère, je sais qu'il est servi. Donc, prophète veut dire que c'est celui qui parle de la part de Dieu. Non, le prophète là-même, c'est lui, on a dit prophète, avait dit quoi? C'est-à-dire, quand vous lisez les choses, cherchez à connaître la définition des mots. Ça va beaucoup vous aider. C'est pour ça qu'on allait tous à l'école. Amen. Amen. Moi, quand tu ne connais pas, il faut poser la question. Je vais t'expliquer. Prophète veut dire un messager de Dieu. On a fois ajouté un peu de Dieu. Le messager de Dieu. C'est celui qui parle de la part de Dieu. Amen. Non, moi je parle de la part de Dieu. Je ne dis pas à mon nom propre. Je révèle les choses les plus cachées de la parole de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen.